Attention, une très très grande dame de la gymnastique, Elena Zamolotchikova, la russe. Elle est actuellement deuxième au classement mondial. Sous les yeux derrière de Svetlana Korkina et de son entraîneur. Double championne olympique, Elena Zamolotchikova, au saut et au sol. Et on assistera probablement tout à l'heure à son face-à-face avec Oksana Chouzovitina au saut de cheval. Salto avant vrille, pied décalé, suivi d'une triple vrille arrière. Elle a la dimension du praticable bien en tête, hein. Vous avez vu ses deux pieds. Cara ici légèrement en avant sur la réception, mais vous l'avez dit, elle tombe juste dans le bout de la diagonale. Perdue sur l'impulsion, je pense qu'elle a dû mettre sa tête légèrement vers l'arrière. Perte de figure, ça arrive parfois. Sur un élément simple, une simple double vrille. Ouais, ouais. C'est terrible ça. À ce niveau-là, c'est de la pression, alors qu'elle était presque arrivée au bout de son mouvement. Et autant dire qu'elle ne gagnera pas ce concours au sol, Elena Zamolotchikova. C'est dommage. Elle a le sourire quand même, la russe. Fini un double arrière carpé, mais... En revanche, ça fait pas plaisir à l'entraîneur. L'entraîneur, hein. Doit pas comprendre, non. Non, 137 pour Elena Zamolotchikova. C'est rare de voir la russe avec une note aussi basse.